Eh bien, yo tout le monde! Oui, j'ai augmenté le truc. Eh bien, yo tout le monde, c'est Bowser Bros. Aujourd'hui, on se retrouve tout simplement pour une nouvelle vidéo. Et oui, comme vous le voyez, j'ai eu tout simplement deux nouveaux guppies. Enfin, je me les suis achetés tout simplement. Deux petites femelles. Alors, vous n'êtes pas sans savoir si vous avez vu mes deux dernières vidéos. Attendez, hop, je viens les mettre en terre, en aquarium, pardon. Comme vous le savez, peut-être, malheureusement, donc Fairy Tail est mort. 6 jours après, enfin même pas une semaine après en tout cas, c'est assez triste, c'est vraiment très très triste. Donc bon bah c'est pas grave, enfin si quand même, mais ça me fait chier. Mais il est mort sans, on n'y pouvait rien. Et les autres, je sais pas pourquoi ils sont pas morts, j'ai peut-être une petite idée. En fait je crois qu'ils se coincent à cause de cette foutue pompe là. Mais bon, on verra bien, on verra bien. Nous verrons bien, nous verrons bien. Et Naruto et malheureusement Darky également, qui étaient tous deux très très beaux, sont malheureusement morts. Donc voilà les amis, je suis désolé. Tout autant que vous, bien entendu. C'est triste, c'est triste. Ouais. Je suis d'accord. Mais bon, intéressons-nous aux deux petites nouvelles. Tout simplement Ghost, qui est ici, là, regardez. Hop, en blanc là, blanc bleu, c'est Ghost. Et l'autre c'est Flame. Donc comme vous le voyez, on peut voir un peu à travers, on voit leurs organes tout simplement. Donc ce qui est assez drôle, c'est que quand j'ai fait tout simplement l'adaptation, hein, quand je les ai laissés en fait dans le sachet et je les mets dans le terrarium, donc il y avait toujours Sun dedans, hein. Sun est tout simplement allé vers elle et genre comme pour les accueillir, il était trop content parce que Darky est mort ce matin. Darky est mort ce matin malheureusement. À son âme, et en fait, Darky, donc il est mort malheureusement. Et je voyais Sun, enfin, je veux dire, il était tout triste quoi. Et là, franchement, c'était trop marrant. On aurait dit qu'il était trop content de voir des femelles et tout. Et là, apparemment, il a pris en gros, il a pris en chasse, si je puis dire. En gros, il a mis plutôt bien Flame, donc Flame. Voilà. Et Ghost, il la laisse un peu de côté, même si perso je trouve qu'il a un peu mauvais goût, mais bon. Voilà. Donc je vais les nourrir ou pas. Allez, je vais les nourrir en votre compagnie. Donc, pourquoi j'ai pris des femelles déjà? Tout simplement parce que déjà, normalement, il faut 2-3 femelles pour un mâle. J'en ai pris deux. Peut-être que j'en prendrai une troisième plus tard, je sais pas, mais je me suis dit, les guppies, ça va pas marcher. Ça va me péter les burnes, hein, très franchement. Et là, je me dis, s'ils se reproduisent, si j'arrive à faire de la reproduction, sachez que j'ai un autre aquarium. Et il se peut, simplement, que cet aquarium, hein, ben, voilà, serve justement à la reproduction. Enfin, vous voyez à peu près ce que je veux dire. Donc, en gros, s'ils arrivent à se reproduire, si j'arrive tout simplement à les faire se reproduire. Bah déjà, je serais trop content parce que c'est vraiment la première espèce que j'arriverai à faire reproduire. Hein. Sachant que, bon, à part le chien et le chat, bah, voilà. Combattant, même pas la peine. C'est assez compliqué quand même. Mais des guppies, c'est vraiment cool. Et franchement, regardez, Ghost, je la trouve juste magnifique. Dès que j'ai vu les petites comme ça, bleues, blanches. Oh, un chien qui aboie. C'est Elia. Voilà, c'est Elia. Donc, j'ai que des femelles maintenant. C'est Sun, le mâle. C'est le petit Sun, le mâle, donc voilà. J'espère vraiment que ça lui plaît. Je me suis dit, tellement il était triste. Donc comme vous voyez, pour fouiller les corps, en fait, enfin pour voir s'il y avait les corps, tout simplement j'ai fouillé, donc c'est un peu bougé, mais vite fait. Vite fait, vite fait. Donc là, je découvre en même temps un peu leur ressenti. Et là, je vois que Sun, quand même, est beaucoup plus attiré par Flame. Hein. C'est un truc de fou. Bon, elle est pas moche, hein, Flame, c'est pas ça, mais franchement, je préfère... Large Ghost, simplement. Ghost, ça se trouve, en plus, c'est un mâle. Non, mais voilà. Donc, j'espère vraiment que ça vous plaît ce cinquième épisode des Look My Pets. Et ouais, ce sera dans les Look My Pets, hein, quand même. Voilà, parce que. Bon. Mais vous voyez également, notre Sun, il a bien grandi. Hein, il était beaucoup plus petit auparavant. Donc, j'espère vraiment que ça vous plaît. Je pense, moi. Personnellement, hein. Peut-être que ça va marcher. J'espère vraiment que ça va marcher parce que si c'est le cas, d'ailleurs, si vous êtes intéressé,
Bah, si j'arrive, hein, je vais rien dire, mais en gros, si vous êtes intéressé, je pense que je vendrai le guppy à 1 € ou une connerie comme ça, sachant qu'un guppy en magasin c'est 3 €, le guppy. Donc, ouais, je vendrai à 1 € le guppy, enfin le bébé, et du coup, je vais essayer de peut-être d'acheter des belles femelles. Et si je vois que ça marche, si je vois que j'arrive vraiment à les faire, j'achèterai tout simplement des femelles plus jolies ou des mâles plus jolis pour faire des mélanges assez beaux. Et sinon, aussi, je voulais dire, je les ai achetés à Animalis, les deux petites louloutes, donc en même temps. Hein. Donc, franchement, je vois qu'il est quand même beaucoup plus attiré par Flame, hein, un truc de fou. Il reste tout le temps à côté, regardez, il la suit. Il la suit. C'est un gros stalker. Hein. Mais perso, je trouve plus belle la petite Ghost. Vraiment magnifique, un petit bijou. Regardez, elle est toute bleue, toute belle. En fait, blanche avec des reflets bleus. Magnifique. Donc voilà. Donc j'espère vraiment que cette petite vidéo, donc ce petit look My Pets vous aura plu. Pour le prochain look My Pets, déjà 2 vidéos hein, aujourd'hui, vous avez été gâtés, un truc de fou. prochain look My Pets, je sais pas trop ce que ce sera. Enfin, il y a deux propositions. Il y a deux propositions. On verra, on verra. Donc voilà. Très franchement. Moi, je pense que je vais vous dire bye, j'ai plus grand chose à vous dire. Voilà, ne serait-ce que les guppies apparemment sont très prolifiques. Ah oui, aussi avant de vous quitter, les guppies sont très prolifiques. Donc en gros, vraiment, quand ils font beaucoup de bébés, quoi. Mais vraiment, genre les bébés, c'est un truc de ouf. Il y en a plein qui naissent. Donc bon, c'est du 20 litres. Là, mon aquarium, comme vous pouvez le voir. Il n'est pas très grand, mais j'essaierai quand même de les faire se reproduire, tout simplement. Donc voilà. Bah, moi, je pense que je vais vous dire bye. Hein, j'ai pas grand-chose, voilà, pareil à vous dire. À part ça. Donc voilà, les amis, bah, je vais vous dire bye. Et à la prochaine, les amis. Et surtout, suivez la chaîne et mettez un pouce bleu également pour les 2 nouvelles arrivantes. J'espère vraiment que ça va marcher. J'ai de l'espoir, j'ai de l'espoir. Allez, bye. Et à la prochaine. Et surtout, suivez la chaîne. Allez, salut!